Bonjour pour cette reprise de Michel Midi avec Jacques Poels. Mes excuses pour le fait que la semaine dernière on a annulé sans prévenir, en fait au dernier moment, Ludo de Wit qui était notre invité pour son livre « Quand le dernier arbre sera abattu, nous mangerons notre argent ». Il a été victime, pas du dérèglement climatique, mais d'une sérieuse grippe et donc au dernier moment il n'a pas pu venir. Donc, il viendra la semaine prochaine, le 24. En attendant, j'accueille avec plaisir Jacques Poels, historien belge qui vit au Canada, qui est déjà venu chez nous à propos de 14-18 et qui signe un nouveau livre, Les mythes de l'histoire moderne, avec une très belle couverture de notre graphiste Joël. Merci beaucoup. Et Jacques, c'est un livre qui est un peu un résumé de ce que tu as déjà fait ou de ce qui t'a beaucoup intéressé. Jusqu'ici, c'est un peu le best-of de Jacques Poels. Oui, dans un sens, il s'agit de quelques thèmes que j'ai déjà abordés dans mes autres livres. Mon livre sur la Deuxième Guerre mondiale, Le mythe de la bonne guerre, mon livre sur la Première Guerre mondiale, donc la Grande Guerre de glace, et mon livre sur la Révolution française qui paraîtra bientôt, j'espère, chez Delga, peut-être dans un mois, dans quelques semaines. Mais il y a quand même une série de choses nouvelles. Moi qui suis bien ce que tu fais, j'ai quand même eu des bonnes surprises aussi. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et comme le livre, il est très riche, on a choisi dans cette table des matières, effectivement, sur la quatrième de couverture, on a indiqué que Jacques Poels nous révèle ici la face cachée des révolutions et des guerres qui ont façonné notre société. Il ne faut pas croire que c'est l'histoire ancienne, ça a encore toujours une grande influence maintenant. Et donc c'est 1789, la Commune de Paris, 14-18, octobre 17, la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, la relation entre les États-Unis et l'Allemagne, la montée d'Hitler. Mais on a choisi aujourd'hui de prendre seulement deux exemples de ce livre, les autres il faudra les découvrir dans le bouquin, c'est ce qu'on a appelé le pacte Hitler-Staline, et alors l'affaire de Pearl Harbor, la flotte des États-Unis détruite par le Japon. Alors, commençons par le pacte Hitler-Staline, ou le pacte Molotov-Ribbentrop, comme on a dit, et là, la version officielle que moi j'ai entendue à l'école et qu'on entend encore beaucoup dans les médias maintenant, c'est que Hitler était l'ennemi de la démocratie. On en voulait donc aux Juifs, il en voulait à la Grande-Bretagne, à la France, il voulait conquérir le monde entier et l'Union soviétique a été son allié et l'a aidé parce qu'il y a eu une alliance en 1939 entre Hitler et Staline. Ça c'est ce qu'on entend et pardon, on a d'ailleurs une couverture qui montre Hitler et Staline se partageant le monde et la Pologne notamment, et il y a beaucoup de couvertures dans ce genre-là. On a de toute façon un fait historique, c'est que ici on voit à gauche Molotov, le ministre des Affaires étrangères soviétique, et Ribbentrop, son équivalent, l'envoyé d'Hitler, etc. Ils sont en train de signer ici un traité, donc apparemment il y a quand même quelque chose là en dessous, entre le flirt entre Hitler et Staline. Oui, mais comme tu viens de dire, on nous présente toujours ce pacte comme si c'était une alliance entre deux dictateurs, une alliance contre la démocratie, avec comme grande victime la Pologne. Eh bien, la réalité est bien plus complexe. Bien sûr, on a signé un traité, le pacte a été un pacte, en effet. Mais il faut savoir, il faut se réaliser que Staline n'était pas le premier à signer un pacte, un traité de quelque sorte avec Hitler. Un pacte de quoi exactement? C'était un pacte défensif, c'est-à-dire un pacte de non-agression. Alors un accord de ne pas s'attaquer. Ce n'est pas la même chose qu'une alliance. Non, ce n'était pas une alliance. C'était simplement donc un accord de ne pas s'attaquer et pour 10 ans. Mais comme on dit dans ce cas, c'est toujours pour la durée.
ça dure autant que ça, c'est utile aux deux côtés. Et il n'y avait pas d'illusion, ni certainement pas du côté de Staline, que ce pacte allait durer 10 ans. Et Staline savait très bien que tôt ou tard, les nazis, Hitler, allaient attaquer l'Union On dit soviétique. beaucoup qu'il a été pris par surprise, pourtant, c'est pas vrai. Oui, non, pas du tout. Là, en fait, le pacte que Staline a signé avec Hitler, c'était une façon d'éviter d'être attaqué tout de suite par l'Allemagne. Il savait que tôt ou tard, l'Allemagne nazie allait attaquer l'Union C'était soviétique. pour gagner du temps. Ouais, c'était déjà dans Mein Kampf. Hitler l'avait dit très clair, c'était la grande mission de sa vie, c'était d'anéantir l'Union soviétique. Et Staline le savait, tout le monde le savait en fait. La question, c'était simplement quand est-ce qu'il va attaquer? Et dans les années 30, en fait, Hitler avait l'intention de commencer la guerre par une attaque contre l'Union soviétique. Staline le savait, et Staline a voulu gagner du temps. Alors le pacte, dans un sens, est une façon très importante de gagner du temps. Et en même temps, Staline, par le pacte, a aussi gagné de l'espace, une sorte de glacis. Parce que, en occupant une partie de la Pologne, Oui, on va ce qui a montrer une permis. petite carte. Voilà. Voilà. On voit donc en rouge la Pologne. Non, ça c'est la Pologne. Tout ça c'était la Pologne. Oui, Voilà. en rouge la Pologne et en vert la Pologne Ouais. aussi. Les Et Pays-Bas. l'Allemagne est à gauche, Greater Germany, Soviet Union est à Voilà. droite. Ouais. Et donc la Pologne, en conséquence de ce pacte, a été divisée. Oui, alors la Pologne a été divisée parce que ça, c'était la Pologne d'antan. Et la partie verte, c'est ce qu'on appelait la Pologne orientale. Oui. Sauf que, en fait, ce n'était pas une partie de la Pologne, c'était une partie de la Russie qui avait été arrachée à la Russie par la Pologne dans la guerre polono-russe de 1919-1921. Et c'était une région habitée surtout par des Ukrainiens. C'était une Et c'était. continuation de la Oui, Première Guerre mondiale oui. où Lénine avait dit qu'on mettait fin à la guerre qui avait où là il y avait la Russie, la Grande-Bretagne, la France contre l'Allemagne, et pour se retirer, il avait fait des grosses concessions Ouais. territoriales. Oui, C'était mais ça. le Polonais a profité de la guerre civile, de la révolution, de la guerre civile dans la Russie pour arracher ce territoire-là. Parce qu'au début, quand la Pologne a été créée, recréée après la Première Guerre mondiale, les leaders de la Pologne, comme Pilsudski, rêvaient d'une grande Pologne qui s'étirait de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Donc ils voulaient tout ce territoire-là, y inclut une grande partie Pilsudski, de c'était un l'Ukraine. fasciste, non? C'était un allié de Bah, l'Allemagne. un clérico-fasciste, on dit dans ce contexte. Officiellement, non, un dictateur militaire, mais bon, c'est un peu comme Franco en Espagne, il n'était pas fasciste lui-même, mais tout de même, c'est un régime quasi-fasciste, fasciste, D'accord. c'est certainement. Ouais. Bien. Ça, c'est donc du côté de l'Union soviétique, mais du côté de la Grande-Bretagne et de la France, on n'était pas contre Hitler, on ne se préparait pas à la guerre. Non, le problème pour comprendre la politique britannique et française, cette fameuse politique d'apaisement, comme on dit, par laquelle on a fait toutes sortes de concessions à Hitler. On lui a permis d'annexer l'Autriche. Et plus tard, on lui a offert, sur un plateau d'argent, une grande partie de la Tchécoslovaquie, au moment du fameux pacte, si vous voulez, de Munich en Alors, 1938. le pacte de Ouais. Munich, on va le montrer. On a ici une photo. Ça se passe quand et qui est-ce qu'on voit sur ces photos? C'est un an avant le pacte Ribbentrop-Molotov, c'est en septembre 1938, et c'est à Munich que donc il y a une réunion entre Hitler et Hitler qu'on voit au Daladier et milieu. Chamberlain. Le grand là, tout à la C'est gauche, Chamberlain, c'est c'est Chamberlain, le premier le ministre Premier ministre britannique, anglais, à sa c'est droite Daladier, Daladier, le oui, français, et Hitler au Mussolini, milieu, oui, et à gauche Mussolini. de Hitler, pardon, on voit Mussolini, le Oui. dictateur fasciste italien, et son ministre Ciano, Jano si tout va Smith bien. d'affaires étrangères. Donc, qu'est-ce qui se passe à Munich? À Munich, les apaiseurs, donc les hommes d'État britanniques et français, ont décidé d'offrir, dans un sens, à Hitler ce qu'il exigeait, ce qu'il demandait de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire une grande partie de leur territoire, habité par une majorité germanophone, donc des Sudeten, une grande partie de la Tchécoslovaquie. Sur laquelle se trouvait aussi la ligne Maginot des Tchèques, donc leur fortification contre une attaque allemande.
Donc, pour la Tchécoslovaquie, c'est une catastrophe de perdre ce Elle terrain-là. voulait se défendre et elle a été Oui, lâchée par mais les Britanniques et les les Français n'ont Occidentaux. pas permis. Ils ont forcé Prague, le gouvernement à Prague, de reconnaître cette perte et donc d'offrir cette partie de leur territoire à Hitler. Donc ceux qui encouragent Hitler à ce moment-là, c'est Paris, c'est Londres. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'était que Hitler avait besoin, pour attaquer l'Union soviétique, il avait besoin de territoires, parce qu'il n'y avait pas de frontières communes entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Il y avait certains pays, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, entre les deux pays. Alors, à Londres et Britannique, les hommes d'État, tels que Chamberlain et Daladier, ils voulaient qu'Hitler attaque l'Union soviétique. Ils rêvaient de cela. Parce que eux-mêmes, les Britanniques et les Français, je parle pas du peuple, je parle des chefs, donc de cette élite qui était toujours au pouvoir à Paris ainsi qu'à Londres, qui détestaient l'Union soviétique. Le fruit de la révolution, une révolution dont ils avaient peur que ça puisse se passer aussi chez eux. Alors déjà, au temps de la révolution en On est Russie, là c'était après des intervenu. choses en France. On a notamment eu un gouvernement de Front populaire en 1936 Oui. qui comprend les socialistes, les communistes, les Ouais, radicaux et qui ouais. fait peur à l'élite, c'est Ah oui, ça? aux années 30, surtout dans le contexte de la Grande Dépression, de la grande crise économique, les élites ont peur qu'il puisse y avoir une révolution inspirée par la révolution russe. Donc on voit l'Union soviétique comme un grand problème. L'existence même de l'Union soviétique est un problème. On veut rayer, on aimerait rayer l'Union soviétique de la carte. Mais les Français et les Britanniques ne peuvent pas le faire, ne veulent pas le faire, mais ils espèrent qu'Hitler va le faire. Alors, on a sur cette époque-là un livre de l'historienne française Annie Lacroix-Riz, qui a signé plusieurs livres très intéressants que je vous recommande. Le choix de la défaite, ici, c'est un titre étonnant. Ça veut dire qu'en 39-40, les Français ont volontairement, enfin, l'élite française a volontairement perdu. Oui. C'est un excellent livre, je l'ai lu moi-même. Annie Lacroix, il explique très bien comment l'élite française était un peu jaloux de leur homologue en Allemagne, en Italie et en Espagne, qui avaient réussi à porter au pouvoir un système fasciste, comme Mussolini en Italie, Franco en Espagne et puis Hitler. Parce que la fonction principale des régimes fascistes, c'est d'éliminer le danger communiste, le danger révolutionnaire. Les premiers gens que Hitler C'est envoyait ça, dans les camps, tout de c'était les suite. communistes et les C'est ça, socialistes et les oui. syndicats. Oui. Alors, les élites françaises avaient aussi, eux aussi, une grande peur de la révolution. Il y avait en France un mouvement communiste, donc révolutionnaire, qui leur paraissait être très dangereux, et ils voulaient l'éliminer. Ils n'ont pas pu le faire, et ce qui Annie Lacroix s'explique, c'est que dans un sens, ils ont importé le fascisme par le biais d'une défaite militaire contre l'Allemagne, qui n'était pas nécessaire. L'armée française était une bonne armée. Seulement, quand on veut perdre, c'est assez facile de perdre un combat, de perdre la guerre. Gagner, même si on veut gagner, c'est pas garanti, c'est pas certain. Mais si on veut perdre vraiment, ben on perdra. C'est comme ça Bien. qu'ils ont choisi, comme Annie dit, ils ont choisi la défaite. Ils ont choisi la défaite parce que la défaite est une façon d'importer le fascisme, qui n'avait pas pu, un système fasciste de Pétain, qui n'avait pas pu installer eux-mêmes, comme l'avait fait l'élite italienne en installant Mussolini au pouvoir, comme l'avait fait l'élite espagnole en installant Franco au C'est un pouvoir, phénomène européen. comme avait fait l'élite allemande en installant Hitler au pouvoir, comme en d'autres pays aussi, il y avait des fascistes qui attendaient d'être installés au pouvoir, comme il y avait des Degrelle en Belgique, il y avait des Mosley Donc en c'est Angleterre. Oui. le fascisme et la guerre par la peur de la révolution. Oui, c'est ça. Voilà. Un petit mot encore sur Annie Lacroix-Riz, qui écrit vraiment des livres qui doivent être lus et promus. Tout récent, là, je viens de le recevoir, j'ai lu seulement qu'une partie, La non-épuration en France, et là j'apprends des choses très intéressantes, de 1943 aux années 1950. Moi, je croyais, De Gaulle, quand même, il était à fond contre Pétain et les collabos, donc il a nettoyé la magistrature, l'administration et les élites économiques qui avaient collaboré avec Hitler. Eh bien, absolument pas. Et on apprend qu'au contraire, il y a eu quasiment une non-épuration et une conciliation avec cette élite qui avait collaboré avec le fascisme. On va revenir sur cette histoire de la question de l'Europe de l'Est et du pacte de non-agression. Je vais montrer une carte de l'Europe de l'Est après le pacte. On va la
remontrer pour essayer d'expliquer quel était le but d'Hitler en signant ce pacte. En signant le pacte, Hitler voulait éviter une guerre sur deux fronts. Pour Hitler, c'est déjà décidé, il y aurait la guerre contre la Pologne. C'est assez, la situation est assez complexe, il n'y a pas le temps ici d'expliquer tout cela. Mais dans un sens, pendant quelques années avant 1939, la Pologne était dans un sens presque une alliée. Je dis presque, parce que le leader polonais, qui n'était pas des démocrates du tout, les colonels, les militaires qui étaient au pouvoir à Varsovie, ont flirté un peu avec les Allemands, en espérant qu'ensemble, ils pourraient conquérir des territoires en Union soviétique, tels que l'Ukraine, par exemple. Mais cela n'a pas marché parce que, encouragé par les concessions faites par les apaiseurs, par exemple Munich, Hitler a voulu en profiter pour arracher quelques territoires, quelques parties du territoire polonais, comme Danzig. Ben, Danzig était une cité-État, mais bon, qui voulu par les Polonais ainsi que par les Allemands. Alors, il y a eu des difficultés donc, entre l'Allemagne et la Pologne. Et là, c'était clair, à un moment donné, les apaiseurs, forcés par l'opinion publique chez eux, ont dû menacer Hitler de lui déclarer la guerre s'il attaquait la Pologne. Hitler a cru que c'était du bluff, que ce ne serait pas le cas. Dans un sens, il avait raison, parce que quand il a attaqué la Pologne, les Britanniques et les Français ont fait une drôle de guerre, oui. Une phony war, une fausse guerre, comme on dit en anglais, ils ont une guerre feinte. Ils ont déclaré la guerre, mais oui, ils ne l'ont pas faite. Oui. Mais alors, Hitler, pour revenir à ta question, donc, Hitler savait qu'il y aurait la guerre contre la Pologne et la possibilité d'une guerre que ça causerait aussi la guerre contre la France et la Grande-Bretagne. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, il ne voulait pas devoir faire une guerre sur deux fronts. Il craignait d'être attaqué en même temps par l'Union soviétique. Donc, il voulait éviter le scénario possible d'une alliance défensive entre les puissances occidentales et l'Union soviétique. Ce que, justement, Moscou recherchait, parce que dans la personne de Litvinov, il voulait établir une alliance défensive contre Hitler. Alors, Hitler a fait une offre de ne pas s'attaquer à Staline. Et comme ça, il a voulu et a pu neutraliser donc le danger que au cas d'une guerre contre la Pologne et la France et l'Angleterre, il serait attaqué dans le dos par les Soviétiques. Pardon, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faudrait expliquer pour que ce soit bien compréhensible pour les jeunes générations. C'est que l'Union soviétique a proposé à la Grande-Bretagne et à la France, bien avant, oui, de faire une alliance contre Hitler, oui, oui, et elle n'est pas arrivée. Pourquoi? Oui, parce que déjà, du moment que Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933, tout le monde savait que tôt ou tard, il commencerait la guerre. Et tout le monde savait que la guerre qu'il voulait, c'est la guerre contre l'Union soviétique. Mmh. Il avait écrit dans Mein Kampf, tout le monde savait. On le savait à Moscou, on le savait à Londres, on le savait à Paris. Alors, à Londres et à Paris, on aimait l'idée, mais on ne pouvait pas le dire parce que l'opinion publique était contre. Alors, les Soviétiques le savaient aussi. Alors, commençant en 1933-1934 déjà, donc l'Union soviétique, par la personne de Litvinov, le ministre d'Affaires étrangères, a proposé à Paris et à Londres donc, d'établir une alliance défensive contre l'Allemagne nazie, contre Hitler. Mmh. Et dans un sens, s'ils avaient réussi à faire cela, cela aurait fait peur à Hitler, il n'aurait jamais pu commencer une guerre parce que ça aurait voulu dire une guerre sur deux fronts contre trois grandes puissances, aidées en plus par des pays comme la Tchécoslovaquie par exemple, et peut-être la Pologne qui a joué donc un le rôle. Rapport de force aurait été très différent, oui. Et soit il n'y aurait pas eu de guerre, soit elle aurait été plus courte. Oui, alors, mais Londres et Paris n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu pourquoi? Parce qu'en fait, ils aimaient l'idée qu'Hitler aille détruire l'Union soviétique. Mais il ne pouvait pas dire ça, parce que l'opinion publique en France et en Allemagne... Donc refuse l'alliance. Oui. Est-ce que tu as dit l'opinion publique, elle trouvait qu'il fallait s'allier à l'Union soviétique? Est-ce que dans l'élite britannique, tout le monde était contre cette alliance ou est-ce qu'il y avait des voix minoritaires? Non, il y avait, ici on voit Chamberlain, le premier ministre anglais, qui revient très solennellement et qui montre le papier qu'il a signé et qui dit voilà, j'ai sauvé la paix. Ouais. Et dans l'élite britannique, est-ce que tout le monde pensait comme lui? Donc la politique britannique de Chamberlain et donc soutenue par Daladier, par les Français, était une politique qui visait donc
de permettre à l'Allemagne d'attaquer l'Union soviétique, mais il ne pouvait pas dire ça parce que l'opinion publique ne voulait pas du tout. Il voulait, en fait, non, pas, le public voulait une alliance avec de leur pays, avec l'Union soviétique, contre l'Allemagne. Mais donc, les leaders, les chefs politiques à Londres et à Paris, comme tel que Chamberlain, ils voulaient qu'Hitler attaque. Alors, c'est pour ça ils lui ont facilité la tâche Oui. en lui offrant des territoires comme les territoires de Tchécoslovaque et l'Autriche, etc. Mais alors, il devait trouver une excuse pour faire ça. Ils ont dit, c'est pour préserver la paix. Mais je veux dire, tout le monde à Londres n'était pas d'accord avec cette Non, politique. à Londres, il y avait, même au sein du Parti conservateur, qui était aussi anti-bolchevique, anti-communiste, anti-soviétique que Chamberlain, il y avait quelques voix qui s'opposaient à cette politique-là, comme Churchill. Pourquoi? Pas par sympathie pour l'Union soviétique, pas du tout, mais par peur que ça ne marche pas. Par peur Churchill à... voyait plus clair que Oui, Chamberlain. pour deux raisons. Il avait peur tout d'abord, peut-être qu'on surestimait la force, la puissance militaire de l'Allemagne, et peut-être qu'il ne gagnerait pas une guerre contre l'Union soviétique aussi facilement que pensé. Et dans ce cas-là, l'armée rouge arriverait en Allemagne. C'est en fait ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre Oui, mondiale. Mais alors. d'autre part, ils avaient encore. C'était un scénario auquel ils ne croyaient vraiment pas, parce que tout le monde croyait que l'Allemagne était si puissante qu'une guerre contre l'Union soviétique serait victorieuse sous les Allemands. Dans ce cas-là aussi, surtout dans ce cas-là, Churchill avait peur que si ça marche, l'Allemagne contrôlera toute la Russie et aura donc profitera de toutes les matières premières de l'Union soviétique, y inclut par exemple le pétrole du Caucase. Très important, parce que l'Allemagne est un pays très industrialisé, mais qui manque de matières premières. C'est à cause de cela qu'elle avait perdu la Première Guerre mondiale. Pas de pétrole, pas de caoutchouc, par exemple, parce que l'Allemagne n'a pas de colonies. Alors, Raison avec pour l'Union laquelle l'Allemagne soviétique, a ils voulu auront tout ça, oui. voler l'Afrique, voler le Congo aux Français, aux Oui, Belges, aux Anglais qui les possédaient. mais surtout pour l'Allemagne. L'Union soviétique, c'est le pays de possibilités illimitées. Parce que là, il n'y a pas seulement le pétrole, par exemple, mais les riches terres agricoles d'Ukraine. Parce que l'Allemagne est un pays fort industrialisé. L'agriculture allemande, donc le système agricole, ne parvient pas à nourrir sa population. Alors, il nous faut les terres de l'Ukraine, il faut le pétrole du Caucase. Ok, et Alors, donc Churchill Churchill a dit, voit c'est ça. clair parce qu'il se dit si l'Allemagne parvient à occuper l'Union soviétique, à Oui, ce oui. Ils moment-là, sont aussi on va être puissants. Oui, c'est ça. très affaibli contre eux. Oui, ils avaient peur, si je peux ajouter quelque Oui. chose. Churchill avait peur que si l'Allemagne parvint à donc conquérir la Russie, l'Allemagne donc dominera toute l'Europe comme dans le temps de Napoléon. Et sera un danger pour la Grande-Bretagne, encore plus grave que l'était dans le temps de Napoléon. Alors, justement, par rapport aux stratégies, on revient à la carte et tu as dit, Staline, au fond, l'Union soviétique voulait gagner du temps en sachant qu'Hitler allait attaquer. Finalement, le pacte, ça a été utile. Pourquoi? Oui, alors, le pacte, par deux raisons. Par le pacte, l'Union soviétique a gagné du temps et de l'espace. Tout d'abord, si on regarde ce plan-là, on voit tout ce qui est vert. C'est devenu, à cause du pacte, ce qu'on appelle dans la terminologie de l'architecture militaire, un glacis, c'est-à-dire un grand Une terrain, zone tampon, oui, disons. une zone tampon qui protège donc une forteresse assiégée. Ça veut dire que l'armée nazie part de beaucoup plus C'est ça, loin c'est et ça. a des Si obstacles. Hitler avait pu attaquer l'Union soviétique comme le désirait Chamberlain, etc., ils avaient pu partir d'ici, c'est-à-dire 300 km plus loin vers Oui, pour l'est l'instant, quand on voit la qu'ils ont carte, on dû ne voit pas faire. nous, mais Ouais, donc ah bon. d'ici, veut dire il serait parti de la zone verte et il aurait été beaucoup plus vite à Kiev qu'on Oui, voit là en Ukraine, à 300 km, ils et étaient. il Ouais. pouvait aller plus vite à Ouais, Stalingrad où va se dérouler une ah, bataille ouais. décisive, et à Leningrad, que si vous regardez bien, vous voyez là tout en haut dans la zone brune, tout près du bord, c'est Leningrad, et effectivement, C'est ça. le fait de se rapprocher, il aurait C'est ça. pu prendre. Donc, Quand on il a gagné pense. du temps, et Ouais. concrètement, ce temps a été utilisé à Oui, quoi? mais restons encore un moment avec l'idée de l'espace, quoi. Oui. À cause du pacte, c'est à cause du pacte. Hitler a dû commencer son attaque contre l'Union soviétique en 1941 à quelques 300, un point de départ, 300 km, en moyenne de 300 km Oui. plus loin vers l'ouest. Et les Allemands sont arrivés jusqu'à quelques 30 km de Moscou. Oui, voilà. S'ils avaient pu co commencer à 300 km plus loin vers l'est, ils auraient pris Moscou, c'est Ça presque veut dire certain. qu'ils auraient pris Moscou et Et probablement que gagné la guerre, ils ça on ne auraient sait gagné. pas.
Mais alors, parlons seulement de l'importance de l'espace que les Soviétiques ont gagné, mais aussi ils ont gagné du temps. Parce qu'au lieu d'attaquer l'Union soviétique en 1939, Hitler a dû attendre jusqu'en 1941. Et Et qu'est-ce que ces les deux Soviétiques ont années, fait pendant ce temps-là? les Soviétiques, qui n'avaient aucune illusion, qu'ils savaient que tôt ou tard, les Allemands viendront nous attaquer. Ils ont préparé leur défense. Pas parfaitement, c'est certain. Ils auraient espéré encore 3 ou 4 ans ou Et 5 ans. préparer concrètement, Mais tout d'abord, ils ont déménagé beaucoup d'usines très importantes, stratégiques, loin de la frontière avec l'Allemagne. On va carrément déménager les usines. Tout à fait. Même vers l'autre côté de l'Oural, ce qui était quelque chose de formidable. J'ai lu une histoire d'histoire économique de l'Union soviétique écrite par des Américains qui disent que c'était vraiment formidable ce qu'ils ont pu faire parce que autrement il y avait le danger qu'en attaquant, les Allemands auraient détruit Ou utiliser cet armement utilisé, pour eux. mis main basse sur cette fabrique-là. Deuxièmement, ils ont amélioré leur équipement militaire. Et parce que le pacte avait aussi un côté commercial. Et dans ce côté-là, la Russie, l'Union soviétique, devait livrer du pétrole aux Allemands. Et c'est vrai que c'est utile pour les Allemands, parce qu'il y a toujours un manque, une pénurie de pétrole. Mais d'autre part, par contre, les Allemands ont dû livrer aux Soviétiques toutes sortes de technologies militaires. Il inclut des trucs pour faire des avions, et les Soviétiques ont pu profiter de cela pour améliorer leur armement. Et ça, c'était très important. Mais encore une autre façon dans laquelle ces 2 années ont été précieuses du point de vue de l'Union soviétique, c'est que les Soviétiques, l'armée rouge, a pu étudier la façon allemande de faire la guerre. Oui, c'est ce qu'on appelle la Blitzkrieg, la guerre Oui, la éclair, guerre qui a claire. bien marché Ils ailleurs. ont vu, ils ont vu, ils ont, ils, ils ont, ils ont bien regardé quand l'Allemagne a dû d'abord occuper. Attaquer la Pologne et vaincu la Pologne, et par après occuper les pays scandinaves, et la Grèce, et la Yougoslavie, et les Pays-Bas, et la Belgique, et la France. Et chaque fois, c'était le système de guerre moderne, offensif, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Et là, les Russes ont compris quelque chose de très important, La guerre éclair, c'est-à-dire aller très très vite démolir le dispositif de défense de C'est l'adversaire. percer, c'est attaquer en force sur quelques points faibles, les points les plus faibles donc de l'ennemi, avec des avions, des Stukas, des chars, etc. Alors foncer par cette ligne-là, puis foncer et puis encercler le reste donc de l'armée ennemie qui est collée sur la frontière, comme la ligne Maginot. Donc la question de la vitesse est très très La vitesse, importante. ça oui, mais aussi les Soviétiques ont appris que contre le système allemand d'attaque, de guerre, la guerre Blitzkrieg, on peut pas mettre toute son armée à la frontière. Parce que comme ça, il y a le risque qu'on sera encerclé et toute l'armée sera détruite tout près de la frontière. Comme en fait, c'est ce qui s'est passé. En mai-juin 40 avec les Français, ils ont envoyé toutes leurs troupes vers la ligne Maginot et surtout en Belgique. Et les Allemands ont percé à Sedan et ont encerclé les Français. C'est terminé. Les Britanniques ont pu s'échapper à Dunkerque. Et alors les Russes ont appris que seulement une défense en profondeur était possible, avec une chance de Donc, succès. ils ont pris une stratégie Oui, défensive. Si oui. je peux prendre une comparaison avec le football, Ouais. c'est une équipe qui laisse l'adversaire attaquer Oui, et qui après contre-attaque. bien sûr, ils ont toujours gardé des troupes à la frontière même, Oui, bien sûr. mais sachant très bien Une guerre qu'ils d'usure, seraient quoi. perdus Ils dans ont un voulu sens. une guerre Mais d'usure. pour ralentir l'ennemi, et encore des deuxièmes lignes de défense et troisième ligne de défense, et ils n'ont jamais mis toute leur armée à la frontière. Et c'est comme ça que les Allemands ont été frustrés parce qu'en attaquant en juin 1941, ils ont eu beaucoup de succès. Ils sont foncés dans le territoire russe pendant des centaines de kilomètres, Oui, mais je montre ils les avaient troupes espéré, nazies qui pénètrent en oui, Pologne, puis en en URSS vitesse, après, mais oui. ils n'ont jamais pu encercler le gros de l'armée rouge. Et ça, c'est le problème. Et déjà, après quelques semaines, en dépit de grands succès, les Allemands ont compris qu'ils n'allaient pas gagner cette guerre-là.
Et déjà en juillet 41, donc après seulement un mois, à Vichy, il y avait des militaires français qui s'étaient bien renseignés, parce que Vichy était dans un sens allié de l'Allemagne, et qu'ils ont dit l'Allemagne va perdre la guerre. Et Ils ne donc vont pas les gagner. chars allemands ont ici C'est en Finlande ou en URSS, ouais, j'ai ça. pas pu vérifier la photo, mais en tout cas, l'armée allemande a été détruite en URSS Oui. Oui. après sa défaite. Surtout, il faut comprendre maintenant que l'Allemagne, quand Hitler a commencé la guerre contre l'Union soviétique en juin 1941, ils avaient du pétrole pour faire la guerre pendant 4 mois. C'est tout. Seulement 4 mois. Et c'est un grand problème. Mais pas de problème dans un sens parce qu'ils étaient certains qu'ils allaient gagner la guerre contre l'Union soviétique dans 3 mois maximum, 2 mois maximum. Et dans ce moment-là, ils auraient le pétrole du Caucase. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu gagner la guerre contre l'Union soviétique. Ils n'ont jamais pu conquérir le Caucase. Ils n'ont jamais eu le pétrole. Donc déjà, vers la fin de 1941, c'est clair qu'ils n'auront pas le pétrole du Caucase, donc ils ne pourront pas continuer à faire la guerre. Est-il Et quand... exact que des généraux allemands ont dit très vite à Hitler que Ben, c'était la défaite? déjà assez tôt, mais en fait, c'est surtout le 5 décembre 1941, au moment que l'armée rouge a lancé une contre-attaque formidable devant Moscou, quand les Allemands se trouvent à quelques 30 kilomètres devant Moscou seulement. Il y a eu une contre-attaque formidable de l'armée rouge qui a rejeté les Allemands vers des centaines de kilomètres. Et ce soir même, les généraux allemands ont dit à Hitler, il n'y a plus moyen de gagner la guerre. Il faudra chercher une façon d'en sortir. Donc, la guerre a été perdue déjà, on dit souvent à Stalingrad en Non, 43, mais déjà encore 41. plus tôt en Oui, 41. 41. Mais ça, Avant l'entrée c'est. en guerre des États-Unis. Mais ça, oui, Jacques, ça, c'est complètement le contraire de ce qu'on nous a dit à l'école, puisque à l'école, c'était le jour le plus long, les merveilleux soldats des États-Unis qui sont venus nous délivrer et qui ont vaincu Hitler. Oui, mais ça, c'est un mythe. Je parle d'un mythe de l'histoire. Ça, c'est un grand mythe. Récemment encore, au mois de juin, j'ai entendu à la radio, je ne sais pas si c'était au Canada ou ici en Europe, que le débarquement en Normandie, c'était l'opération militaire la plus grande de l'histoire. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. C'était important. C'est une opération complexe. Mais l'attaque allemande contre l'Union soviétique le 22 juin, 41, sur un front de quelques 3 000 à 4 000 de kilomètres, avec des millions d'hommes, avec des centaines de milliers de chars, etc., était 100 fois plus grande que le débarquement en Normandie. Ok, donc on est un peu beaucoup dans la propagande de guerre là. On va bientôt passer à Pearl Harbor parce que le temps tourne et j'en profite pour regarder si parmi notre public, on a des questions, des remarques, des commentaires. Nina dit rétablir la vérité du passé, c'est instructif pour le présent, absolument. Quel plaisir d'entendre Jacques Poel. Son livre Le mythe de la bonne guerre m'a ouvert les yeux. Je vous remercie, dit Alexandre. Philippe aussi, voilà. Est-ce vrai, monsieur Poel, dit Alexandre, que la victoire des USA a bien permis aux USA de rembourser jusqu'à 3 fois le prix de toute la guerre, y compris le Pacifique, grâce à l'opération Paperclip? C'est clair? Ça, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est clair que les États-Unis ont profité économiquement, financièrement de leur victoire. Ils n'ont pas, c'est une illusion de penser que les Américains sont venus ici faire la guerre pour nous libérer et par après se sont retirés aux États-Unis et sans rien demander, sans rien exiger comme récompense. Ben non, ils se sont servis autant que possible. Et c'est vrai que Paperclip, l'opération donc par laquelle ils ont fait venir chez eux toutes sortes de savants, d'ingénieurs, comme Von Braun, allemand, y inclut pas mal de criminels de guerre. Ils les ont recyclés chez eux. Et en fait, leur programme pour aller à la Lune, quoi, tout ça, c'était l'œuvre, presque pas entièrement, mais l'œuvre de ces gens-là. Alors, Oui, si tu peux me passer le livre qui est là un peu plus loin à ta droite, USA, puisque tu fais gentiment la promo, mais cette chose-là est expliquée dans mon USA, les Empires Citations, où on voit effectivement que les États-Unis ont protégé des espions, des ingénieurs nazis, avérés, criminels avérés, pour les recycler.
Mais encore une petite question là. Que pensez-vous du livre sur la scène internationale avec Hitler, Mémoire du traducteur Hitler, Paul Otto Schmidt? Je ne sais pas, je n'ai pas Ok, lu. pas lu, pas d'avis. Bien, on va passer à la deuxième partie. On va devoir être un peu plus bref parce que alors on a déjà pris bien du temps, mais je crois que ça valait la peine. Vos commentaires montrent que Jacques est vraiment passionnant et que c'est un historien décapant, si je peux dire, parce que les mythes et les illusions en prennent un coup. Alors, Pearl Harbor, là, c'est intéressant parce que ce qu'on entend à l'école et un peu partout, d'ailleurs, dans la structure du bouquin, c'est chaque fois résumé avec une photo, le mythe qui nous est présenté dans l'enseignement, et puis la réalité et des sources. Et là, pour l'histoire de Pearl Harbor, le mythe qu'on nous a présenté, la version qu'on nous a présentée, c'est que l'attaque des. Donc les Japonais ont attaqué le 7 décembre 1941 la flotte des États-Unis à Pearl Harbor, qui est une île, une base militaire au milieu du Pacifique, et ils ont fait ça par surprise, et que c'est ça qui a entraîné les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, parce que le président Roosevelt, lui, il voulait faire la guerre contre Hitler, mais le Congrès, lui, il voulait pas. Et donc Roosevelt était bloqué et grâce à ça, il a pu convaincre le pays de se lancer dans la guerre. Ça, c'est la version officielle. Ouais. Vrai ou faux? Elle est fausse, la version est fausse. Non, les Américains, l'attaque de Pearl Harbor n'était pas une surprise du tout. Les Américains le savaient, ils savaient que les Japonais étaient en route, ils connaissaient le code d'ailleurs des Japonais. Mais non seulement ça, ils ont pas, ils, non seulement ils savaient que les Japonais étaient en route vers Pearl Harbor, ils le voulaient, ils ont provoqué. Ils ont voulu être attaqués par les Japonais. En Parce faisant que quoi? c'est vrai que Roosevelt voulait la guerre contre le Japon. Contre le Japon, pas contre l'Allemagne. Et qu'il savait qu'il ne pouvait pas déclarer la guerre contre le Japon parce qu'il savait que le Congrès et l'opinion publique aux États-Unis ne voulaient pas entrer en guerre, ne voulaient pas faire la guerre. Ils étaient contre. Donc, il n'aurait jamais pu justifier une guerre offensive contre le Japon. Mais une guerre défensive, ouais, pas de problème. D'ailleurs, les faits nous en fournissent la preuve. Le lendemain de Pearl Harbor, donc, Roosevelt a pu demander au Congrès de déclarer la guerre officiellement à Donc, c'est ce l'attaquant. principe de la propagande de guerre, il faut être la victime, il faut être Oui, attaqué. c'est ça, il faut être la victime. Et là, tout le monde était pour. Mais Roosevelt voulait la guerre contre le Japon. Il ne voulait pas la guerre contre l'Allemagne. Pourquoi? Parce que la guerre contre l'Allemagne était une chose tout à fait différente, beaucoup moins urgente pour les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis, et je ne vais pas dire les Américains en général, mais les grandes entreprises et banques américaines avaient investi beaucoup d'argent dans l'Allemagne. Ils ont profité du régime d'Hitler. C'est grâce à Hitler que Ford, par exemple, et beaucoup d'autres entreprises et banques américaines ont gagné beaucoup plus d'argent en Allemagne aux années 30 qu'aux États-Unis même. Oui, donc Et ça ils ont c'est profité quelque de la chose guerre qui est aussi. expliqué dans un autre chapitre du livre, Donc, donc. c'est que les États-Unis étaient très contents Oui. d'abord que Hitler attaque Oui. l'Union soviétique et ensuite Oui. qu'il C'est puisse ça. Oui. faire Alors. de l'argent. Alors, Hitler, il n'avait rien contre Hitler. Aujourd'hui, selon Hollywood, les Américains détestaient Hitler. Ce n'est pas vrai du tout. Les grands Américains aimaient Hitler. Avec Hitler, on peut faire des affaires. Il y a C'était Henry le grand. Ford notamment qui a dit Henry des Ford, choses oui, Henry assez. Ford. Mais beaucoup, beaucoup d'autres aussi ils admiraient Hitler. Ils adoraient, surtout parce qu'ils gagnaient du fric grâce à Hitler. Et en Et plus, certains étaient anti-juifs et aussi. en. Oh, d'ailleurs, je suis aussi Henry antisémite. Ford notamment, Oui. tout ça. Et bien sûr, eux aussi, comme Chamberlain, comme Daladier, espéraient qu'Hitler allait anéantir l'Union soviétique. Parce qu'aux années 30, aux États-Unis, c'était la décennie rouge. Il y avait beaucoup de communistes et de socialistes aux États-Unis. C'est peut-être difficile à croire aujourd'hui, mais c'était le cas. Alors, ils avaient peur eux aussi d'une révolution. Alors, ils espéraient qu'Hitler allait détruire l'Union soviétique. Donc, contre l'Allemagne, Roosevelt et l'élite américaine n'avaient rien contre l'Allemagne. Il n'y avait pas de plan de guerre contre l'Allemagne. Ah Mais bon? pas de plan de guerre du tout. Ils avaient des plans de guerre contre qui alors? Les Américains avaient des plans de guerre contre trois pays, aux années 30 et encore en 41, contre le Mexique, leur petit voisin. Pourquoi? Ils avaient Mais déjà volé pas mal de la territoire. guerre contre le Mexique avait toujours donné de beaux résultats.
la Californie, par exemple, le Texas, l'Arizona, tout ça, c'est le fruit des guerres antérieures contre le Mexique. Alors pourquoi encore une fois? Mais bon, c'est moins grave en ce moment-là. Deuxièmement, la Grande-Bretagne et le Canada. Les États-Unis voulaient préparer une guerre contre l'Angleterre. Non, je ne dis pas voulaient, mais ils avaient des plans. Il faut pas... Non, j'ai dit préparer. C'est ça. Donc, ils avaient des plans. Ça ne veut pas dire qu'on veut la guerre demain. Non. Mais juste au cas. On pense, juste au cas. Alors, la guerre contre le Mexique, contre la Grande-Bretagne et le Canada. Pourquoi? Eh bien, les gens croient trop facilement que les Britanniques et les Américains ont toujours été de bons amis. Ce n'est pas vrai du tout. Ils sont des ennemis. Parce qu'en fait, les États-Unis sont nés d'une révolution contre la Grande-Bretagne. Dont le Canada. Ils ont dû faire la guerre pour se séparer. Canada, anciennement l'Amérique du Nord britannique, était en fait l'anti-USA. Alors, ils ont longtemps, les Américains ont rêvé de libérer le Canada du joug britannique. Et les Canadiens, aujourd'hui encore, sont un peu anti-américains parce qu'ils sont pro-britanniques. Et il y avait une grande concurrence entre tous les pays impérialistes, jusqu'à la Première Guerre mondiale et même par après. Et donc les États-Unis voulaient prendre la place de l'Angleterre, qui était à ce moment-là la puissance numéro un. Oui, c'est ça. Et encore aux années 30, il y avait des conflits sur certaines choses. Donc, en tout cas, revenons à nos moutons. Donc il y avait des plans de guerre américains contre le Mexique, contre la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, on sait que maintenant que ça, ils voulaient bombarder donc des villes comme Toronto et Halifax. On sait tout ça, c'est connu. Hein, je n'invente pas ces choses-là, c'est connu. Il y avait des plans de guerre contre le Japon. Connu, justement. C'est pas assez connu. Nous savons, mais beaucoup de gens ne savent pas. C'est pour ça qu'on est là pour le dire. La guerre contre le Japon. Mais pas de plan de guerre contre l'Allemagne. Alors, on revient justement à Pearl Harbor, dont je vais montrer une photo. Pearl Harbor, la flotte détruite par les bombardements japonais. Donc, tu dis qu'ils n'ont pas essayé de les arrêter. Ça a arrangé les plans de Roosevelt. Mais Roosevelt, pourquoi personnellement il voulait faire la guerre au Japon? Moi, j'ai toujours entendu que Roosevelt, c'était quelqu'un qui aimait la paix, qui voulait arrêter le fascisme. Mais bon, je ne crois pas que c'est la personne de Roosevelt qui est responsable de ça. Roosevelt représentait l'élite américaine. Ils étaient un de leurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que la fortune de la famille Roosevelt ne vient pas de quelques activités de Roosevelt même. Il n'a jamais travaillé. Il a hérité la fortune comme la plupart des Américains riches, y inclus Trump. La fortune de la famille Roosevelt vient des bénéfices faits par vendre l'opium aux Chinois. Ah oui, trafiquant de drogue. Alors, sont des trafiquants de drogue, oui, c'est ça. Mais bien sûr, dans le temps, c'était légitime, pour ainsi dire, et on gagnait des fortunes. Oui, l'argent. Alors, Roosevelt avait toujours un intérêt personnel dans l'Extrême-Orient, parce que c'est en Chine que son grand-père avait réalisé ses fortunes. Mais revenons un moment à ce que tu as dit, et je veux te contrarier, c'est pas la flotte américaine qui se trouvait à Pearl Harbor, elle a été détruite par les Japonais. C'est quelques anciens bateaux. Ah bon? On avait mis... C'est un show. Afin de provoquer les Japonais, les Américains avaient mis leur flotte à Pearl Harbor, à mi-chemin vers le Japon, pour, en fait, dans ce sens, pour montrer aux Japonais que, attention, nous sommes déjà là. C'est le avec, surtout, chiffon rouge devant le taureau. Oui, mais c'est aussi une invitation. Ils sont là, alors. Ah oui. Mais en même temps, on met des vieux bateaux comme ça, on perd pas trop. Ils mettaient toute la flotte. Ils incluent les aircraft carriers, comme on dit en français. Les porte-avions, qui étaient essentiels pour faire la guerre contre les gens. Alors, c'est ce moment-là que les Japonais ont décidé, maintenant on y va. Mais avant, comme les Américains savaient où se trouvait la flotte japonaise, quelques jours avant leur arrivée, les porte-avions sont partis. Ah oui. Et ce qui a été laissé derrière à Pearl Harbor, c'est quelques anciens bateaux de la Première Guerre mondiale, inutiles pour la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et c'est ça ce qu'ils ont détruit. Et les Japonais l'ont su. Là. Après l'attaque, ils l'ont su. Ok, ben là, j'ai appris quelque chose aussi. Donc, vous voyez, on apprend à tous âges et à tout moment. Il faut vraiment se former. Alors, venons un peu sur cette histoire du Japon. Le Japon, il était très actif en Asie. On a ici des photos... Il y en a plein de photos épouvantables qui montrent des prisonniers chinois enterrés vivants parce que le fascisme japonais a commis vraiment des atrocités épouvantables dans l'occupation de la Chine. Il est venu aussi dans d'autres régions de l'Asie. La carte que je vous montre ici, vous avez le Japon au milieu en brun. Et en brun également,
les zones qu'il occupait dans le nord, mais vous voyez qu'il va aussi en Indochine, donc dans ce qu'on appelle le Vietnam après, et toute une série de points sur la côte. Donc le Japon était une puissance très expansionniste en Asie, et c'est ça qui embêtait les États-Unis. Oui, depuis le début du siècle déjà, donc vers la fin du 19e, début du 20e siècle, l'Amérique avait commencé, les États-Unis avaient commencé à s'intéresser à l'Extrême-Orient, surtout la Chine. Et comme ils avaient été, donc, ils avaient pris les Philippines, ils avaient une base donc là-bas, ils voulaient donc pénétrer le marché chinois, comme toutes les autres puissances impérialistes. Mais il y avait surtout la concurrence japonaise. Et à cause de ça, la concurrence pour contrôler les marchés de la On peut Chine. dire deux mots sur quelle était la situation de l'économie des États-Unis à ce moment-là. On a quand même eu la grande crise de 1929, donc ça va bien, ça va mal. Pourquoi ils Non, veulent... les années 30 sont de mauvaises années pour l'économie américaine. Mais le problème, c'est que tout le monde veut exporter. C'est donc toujours le cas aujourd'hui. En fait, le problème des grands pays industrialisés tels que l'Allemagne d'antan et tels que la Grande-Bretagne, c'était qu'ils produisaient trop, ils devaient trouver des marchés de débouchés. Alors la Chine, c'est la grande solution. Même aujourd'hui encore, moi je rêve de vendre une édition chinoise de mon livre, Michel. Là, si on vend seulement 1% de la population chinoise, je suis riche. Ok, on Alors essaiera. la Chine, tout le monde, la Japon voulait le marché de la Chine. Et surtout les marchés, et les Américains aussi, ont déjà concurrents. Mais ce qui a causé. Alors, déjà, il y a de la friction, il y avait des problèmes. Déjà, aux années 30, on avait des plans de guerre contre le Japon aux États-Unis. Mais ce qui change encore la situation, c'est 40, quand la France est occupée par les Allemands, et les Pays-Bas sont occupés par les Allemands. Ce qui veut dire qu'on se pose la question, qui hériterait? Qui héritera? Les colonies de ces pays-là, l'Indochine avec son caoutchouc Oui, et l'Indonésie ça c'est la avec son pétrole. France et ça c'est la Hollande. Alors maintenant, ils commencent à avoir peur, les Américains commencent à avoir peur. Tout d'abord, ils ont déjà un problème en Chine où les Japonais ont déjà pris l'avantage en occupant le nord de la Chine, la Mandchourie. Ils sont déjà là. Alors, et les Américains, non. Alors ça, c'est déjà très embêtant. Mais maintenant, à la demande du gouvernement de Vichy, les Japonais peuvent occuper le Vietnam. Alors ils ont le caoutchouc. Et quand est-ce que ce sera le tour de l'Indonésie néerlandais avec son pétrole? Si on fait rien, si on permet aux Japonais d'occuper l'Indonésie, ils auront le pétrole, le caoutchouc, tout ce qu'ils ont besoin Donc pour la être une guerre, grande si je puissance. comprends bien, la guerre des États-Unis contre le Japon, ce n'est pas une guerre contre le fascisme, c'est une guerre entre impérialistes pour savoir qui va contrôler les matières premières et les marchés. Le fait que le régime japonais est un régime militariste, facho, militariste, quoi, qu'ils font toutes sortes de choses horribles en Corée, leur colonie, en Chine, c'est égal, c'est pas important pour les Américains. Ce qui est important, c'est qu'ils vont exclure les Américains des marchés chinois. Et ils vont s'approprier du pétrole. Par exemple, la conquête possible maintenant de Japonais par le Japon de l'Indonésie, ça voudrait dire que le Japon n'aurait plus besoin d'aller acheter son pétrole auprès de grands trusts américains comme Rockefeller. Ils auront le pétrole eux-mêmes. Ils ont le caoutchouc de Vietnam. Ça n'en veut pas. Parce que dans ce cas-là, le Japon sera vraiment une grande puissance. Pour le Japon, l'Indonésie et le Vietnam, l'Indochine, est un peu comme l'Union soviétique pour l'Allemagne. Ok, C'est la possession de ces richesses-là. je remonte un instant pour que nos auditeurs puissent bien suivre la carte japonaise, la carte d'Asie, pardon, où on voit effectivement le Japon et Tokyo au centre, avec de plus en plus de colonies sur l'Asie, qui est évidemment un continent très riche en matières premières et en main-d'œuvre. Mais c'est incorrect, hein, parce que la Corée était une colonie du Japon aussi. Hein. Oui, la Corée La Corée aussi, devait être brune. il était déjà, il devrait Devait être être brun, il brune. était déjà un protectorat, effectivement. Donc ça montre toute l'importance. Je voudrais que on examine les États-Unis vont alors déclarer la guerre contre le Japon, Oui. mais pas contre Hitler. Non. Non, c'est un mythe encore une fois que de croire, comme beaucoup d'historiens essaieront de vous faire croire,
que Roosevelt voulait faire la guerre contre l'Allemagne et à cause de cela, a été heureux que les Japonais, par surprise, ont attaqué à Pearl Harbor, comme parce que cela lui aurait donné l'occasion déclarer la guerre à l'Allemagne. On est en train de dire maintenant C'est pas dans vrai du certains tout. historiens que oui, Roosevelt a probablement laissé faire Pearl Harbor et qu'il était content, mais que c'était pour la bonne cause, donc on va lui pardonner. Mais en Non, réalité, c'est pas comme ça c'était du tout. pas du tout Non, et non. avec Je vais les expliquer pourquoi. Le lendemain de Pearl Harbor, Roosevelt apparaît au Congrès et demande qu'on déclare la guerre au Japon. Et le Congrès est d'accord. Alors là, c'est la guerre contre le Japon. C'est ce qu'on Roosevelt avait voulu. C'est ce que l'élite économique politique des États-Unis avait voulu. Mais est-ce que Roosevelt en profite pour demander au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne aussi? Non. Pourquoi? L'Allemagne n'a rien à faire avec Pearl Harbor. Les Allemands ne savaient pas. Hitler n'avait aucune idée. Hitler a dû lire dans le journal que les Japonais avaient attaqué Pearl Harbor. Il n'avait rien à faire. Et il y a des historiens qui vont vous dire, oui, mais oui, mais il était tout de même un allié du Japon. Oui, allié, mais le Japon était un allié de l'Allemagne. Mais quand l'Allemagne a attaqué la France, le Japon n'a pas déclaré la guerre à la France. Quand l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique en 1941, le Japon n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique. C'est des alliés, ils sympathisaient. Ils avaient seulement le devoir de venir à l'aide de leur allié au cas où celui-là serait attaqué par un autre. Mais comme les Japonais avaient attaqué, Hitler ne devait pas attaquer, déclarer la guerre aux États-Unis. Pourtant, finalement, il y a quand même eu la guerre entre Oui, l'Allemagne et les mais je veux dire, États-Unis. oui, mais d'abord, donc, pour les Américains, ils n'avaient aucune raison de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et Roosevelt ne l'a pas demandé, Oui, ça demandé non je. plus. Donc, si comme on aimerait vous faire croire, Roosevelt avait voulu une attaque japonaise contre Pearl Harbor, afin de pouvoir faire la guerre contre l'Allemagne, c'est pas correct, parce qu'il n'a pas fait, il n'a pas demandé de faire la guerre contre, de déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est clair. Mais quelques jours, 4 jours après Pearl Harbor, c'est Hitler qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Et c'est une grande surprise, surtout qu'il n'y a pas de plan de guerre C'est contre tout le l'Allemagne. contraire de ce qu'on nous raconte. Oui. Et pourquoi Hitler a fait ça? Hitler a fait, et là nous revenons au pacte, Hitler l'a fait parce que quelques jours avant Pearl Harbor, le 5 décembre, donc Pearl Harbor, c'est le 7 décembre, quelques jours avant, le fin 5 décembre, l'armée rouge contre-attaque devant Moscou. Et ce jour même, ce jour-là, les généraux viennent dire à Hitler qu'on ne pourra plus gagner la guerre contre l'Union soviétique. Et ça veut dire qu'on ne pourra plus gagner la guerre contre n'importe qui, parce qu'on n'a pas le pétrole. Et en fait, le reste de la guerre, là, les Allemands ont pu continuer, mais en fin de compte, à la fin de la guerre, on a trouvé leurs avions, sur le sol, parce qu'il n'y avait pas d'essence, pas de carburant. Mais alors, si Hitler est tellement en Alors, difficulté, c'est pourquoi ça. est-ce qu'en plus il Alors, déclare la oui, guerre? alors Hitler, on lui a dit le 5 décembre, donc, vous allez perdre la guerre. Et alors, il n'est pas heureux, bien sûr, et il réfléchit, il pense, et quelques jours plus tard, il ouvre son journal et il lit que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Ah, tout d'un coup, il a une idée. Il invite ses généraux à venir et dit, on va déclarer la guerre aux États-Unis. Mais il dit, c'est insensé. Parce que nous avons déjà de grands problèmes en Russie. Mais Hitler, il raisonnait comme ça. Il dit, si, c'est vrai que, en fait, dans un sens, c'est un. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais si on ne fait rien, on perdra la guerre. C'est vrai. Alors, si on déclare la guerre aux États-Unis, sans être obligé de le faire, comme geste contre Aussi une nos drôle de alliés, guerre. c'est ça. On le fait donc, on déclare la guerre à l'ennemi de nos amis japonais. Sans doute nos amis japonais, j'espère, déclarons la guerre à notre ennemi, l'Union soviétique, avec lequel ils ont une frontière commune en Chine. Et dans ce cas-là, si les Japonais attaquent les Russes, les Soviétiques, dans l'extrême-Orient, du côté de Vladivostok, ça forcera l'armée rouge de faire une guerre sur deux fronts. Et là, peut-être, nous avons encore une petite chance de gagner la guerre. Les généraux ont dit, je ne sais pas, hein, parce que ça, c'est un grand risque, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait perdre? On n'a rien à perdre. Il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Japonais ont dit merci, mais ils n'ont pas déclaré la guerre à l'Union soviétique. Et comme ça, Bien. alors là, encore une fois, on revient sur le pacte, parce que c'est la cause du pacte que les Allemands n'ont pas pu prendre Moscou, qui n'ont pas pu vaincre l'Union soviétique, qui étaient dans la difficulté, qui ont forcé Hitler, en fait, à déclarer la guerre aux États-Unis.
Et c'était la fin pour. En fait, c'est comme ça que l'Allemagne a perdu la guerre. Alors, vous comprenez pourquoi, dans la quatrième de couverture du livre de Jacques, Les mythes de l'histoire moderne, la toute première phrase que j'ai mise, je vous lis, c'est: L'histoire, nous l'avons tous apprise à l'école ou dans les livres, mais pouvons-nous faire confiance à cette version officielle? Je crois que ce que vous venez d'entendre là aujourd'hui, ça vous montre que vraiment, il y aurait besoin d'ajouter au moins un chapitre dans les manuels d'histoire avec les révélations de Jacques, Dany Lacroix-Riis, d'autres historiens comme Domenico Lo Sordo, malheureusement, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. Et donc, je crois que c'est un bon encouragement pour vous pour étudier l'histoire de manière sérieuse, solide, à contre-courant, mais en se basant sur des bons documents et des bonnes études. Et je voudrais vous mettre en garde parce qu'en recherchant mes illustrations pour cette émission d'aujourd'hui, quand vous faites Google Pearl Harbor carte, vous tombez sur un document absolument ahurissant et je vous préviens, complètement faux. Et c'est le quatrième ou cinquième qui vous est proposé par Google. Regardez cette carte ici. Vous avez une carte complotiste qui explique que, c'est le texte qui l'accompagne, il n'est pas possible que le Japon ait attaqué Pearl Harbor parce que la flèche rouge vous montre que le trajet est absolument énorme puisqu'il aurait dû, avec ses avions, passer en dessous de l'Afrique, de l'Amérique latine pour aller à Pearl Harbor au milieu de l'océan Pacifique. Alors, quand j'ai montré cette carte à Jacques, il a évidemment éclaté de rire parce qu'en réalité, les avions japonais n'ont pas du tout dû faire tout ce trajet pour aller attaquer à Pearl Harbor. Le véritable trajet, le voici. Quand vous faites Google Maps aujourd'hui, Tokyo Pearl Harbor, vous voyez que le trajet est un peu long quand même, mais direct. Donc ce n'est pas du tout le trajet qu'on vous a montré sur la carte complotiste qui fait pratiquement le tour du monde, c'est un trajet direct dans le Pacifique. Donc voilà une raison de vous pencher sur l'histoire, parce que comme une de nos spectatrices a dit, l'histoire, le passé nous apprend énormément sur le présent. Je regarde, parce qu'on va bientôt conclure, je regarde vos commentaires et si on a des questions. Ce livre est un trésor. Plus Mo nous dit, ce livre de Jacques donc est un trésor. Plus j'avance dans sa lecture, plus mes idées s'éclaircissent. Enfin, une vision claire et nette, un document accessible. Merci encore à Monsieur Poels et à Michel Collomb pour ce travail remarquable. Je crois effectivement qu'on doit remercier Jacques et vraiment encourager ce travail qui est fait. Alors, ce n'est pas terminé tout à fait. Vous allez avoir la possibilité de rencontrer Jacques qui vit au Canada, mais qui est en Belgique avec nous pour quelques jours. Et il sera à la fête Manifiesta que vous pouvez trouver sur le site manifiesta.be avec toute une série de débats. Et Investigation y sera aussi. Je vous indique les débats, nos activités. Nous allons avoir un stand. Nous aurons un stand dans le village de la solidarité. Serons aussi dans la foire du livre. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17h où je ferai une causerie avec Ludo De Wit quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent, donc le capitalisme contre le climat. Saïd Bouamama, l'auteur du manuel stratégique de l'Afrique chez Investigation, sera à 11h avec la fille de Lumumba, Juliana Lumumba, et la grande militante et intellectuelle malienne Aminata Traoré, à 11h dans la tente B pour parler de décolonisation en Afrique et en Europe. Jacques, lui, sera à 11h30 dans la tente Podium PTB Beach, vers la plage donc, pour un débat 14-18, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est en néerlandais, je suppose, ce débat, ou en français? En irlandais, celui-là. En néerlandais, je pense, donc pour les Belges bilingues. À 14h, Saïd Bouamama, en Corse, le dimanche, sera dans un débat sur le Soudan et l'Algérie avec d'autres invités. Jacques viendra signer ses livres dimanche de 14 h à 15 h dans le stand Investigation. Saïd Bouamama viendra signer ses livres aussi de 12 à 13 h dans notre stand. Et quant à moi, je signerai mes livres avec Ludo De Wit le samedi de 18 à 19.
et Grégoire Lalieu viendra signer de 11 à 12 heures. Bon, vous n'avez pas retenu tout ça, vous ne vous y retrouvez pas, ça a été trop vite, pas grave. Vous vous inscrivez, si vous ne l'êtes pas déjà, à la newsletter d'InvestiAction et toutes les infos seront là, comment trouver le stand, comment assister aux différentes causeries, conférences et débats. Il y a de très chouettes concerts aussi, il y a des autres débats. Moi, j'y vais chaque année. C'est vraiment un rendez-vous qui donne de l'espoir et qui fait réfléchir en même temps. C'est une très belle manifiesta avec les deux aspects. Je vais prendre congé de vous en vous indiquant que la semaine prochaine, je serai donc avec Ludo De Wit, qui a déjà publié chez nous, beaucoup d'entre vous l'ont acheté et lu, L'ascension de Mobutu sur les crimes de la Belgique et des États-Unis. Là, il sera avec son nouveau livre dont j'ai parlé, Le capitalisme contre le climat. Vous pouvez déjà vous procurer les livres en allant sur le site InvestiAction. Vous cliquez sur la rubrique des livres et là, vous pouvez déjà, si vous êtes impatient, commander les livres dont on a parlé. Si vous venez à Manifiesta, ben vous pourrez les acheter là-bas en direct. Vous n'aurez pas de frais de port et vous pourrez avoir les signatures des auteurs. Je vais donc prendre congé de vous en vous donnant rendez-vous soit samedi et dimanche à Manifiesta, soit dans Michel Midi, pardon, d'InvestiAction mardi prochain avec Ludo De Wit. Je voudrais remercier Jacques qui est venu spécialement avec nous parler de tout ça et répondre à vos questions. On répondra encore à vos questions éventuelles qui se trouvent là sur le Facebook InvestiAction. Et merci Jacques, merci à vous pour votre intérêt. Et on va passer au générique en vous remerciant et en vous donnant rendez-vous pour d'autres Michel Midi et pour InvestiAction en général parce que l'info, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Merci, bonne journée.